Oh, après la réception. Bonsoir à Jacqueline Buse, ma personne à moi. Comment vas-tu? Tu l'as fait à Bano. Ah oui, je comprends bien mon vieux. Hein. Les femmes arrivent après la fête, c'est la famille, non. Bonjour Jacqueline, comment vas-tu? Bon. Richelin Galois, ça s'est très très bien passé. J'ai rencontré des gens que je connaissais pas sur la toile. J'ai rencontré la petite la Lyon. J'ai rencontré Bombo, comment vas-tu? Je te dis, on a compris le président et boire. Balada. Et Bala. Ah oui, tu mets le laser. Donc, le président. Ça ne coule pas. Donc, c'est ça qui fait le manioc. On l'appelle la cuisine. Je l'ai rencontré. J'ai même commandé un sac de couscous, un sac de macabo. Nana, bonjour. On l'appelle qui? J'ai rencontré le professeur là. Aussi, dans le bloc, on l'appelle qui? Bon. Elle fait une très, très bonne chose aujourd'hui. Elle fait sur la boucle. J'ai commandé un sac de couscous, un sac de macabo. J'ai payé. J'ai dit, voilà les avantages de sortir. Et fait des projets. Son nom, pas compris. Mandon Japa. Ah oui, les rencontres aussi. Bien passé. Merci à Rennes pour cet honneur. Vous savez. Ce n'est pas tout le monde qui s'est dit merci. Il y a des gens que tu donnes comme si tu ne donnais pas. Ça se dit merci, mais c'est quand c'est bon. Même quand quelqu'un donne ce moment, tu l'appelles que viens boire l'eau chez moi. Ça fait du bien. Natacha m'a invité, c'est chez Natacha. Je dis, je serai chez elle. Je dis, chez Natacha. On ne parle que de plomberie. On ne parle que des choses qui peuvent nous amener, qui peuvent nous faire du bien. On a passé un bon moment avec tout le monde là. On n'a parlé que de projets, des choses qui peuvent nous rapporter. Je vous dis vraiment, mes soeurs, quand on va comprendre que Facebook, c'est quoi? Quand nous allons comprendre que Facebook est là pour nous faire du bien, Facebook c'est pour faire des bonnes rencontres. Facebook n'est pas là pour qu'on se prenne des ennemis. Les choses vont beaucoup changer. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi je voulais vous dire que, effectivement, là, pour autour de nous, on a tous la paix. Oh là là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, excusez-moi. Le plus, je ne donne pas. C'est pour ça.
Alors que j'ai le chargeur. Elvis Modessé, bonjour. Maman. Et quand tu as chier la loi, je veux que tu comprennes que c'est comme ça avec toi. Oui. C'est Stéphanie. Donne pas. Quoi? Je vérifie. Non, ça, la corde, c'est à 5%. Je voulais faire un bon job. C'est ce que la fin, le truc, c'est d'autre. Je m'ai mis ça, donne ça. C'est ça qui ne donne pas, c'est parce qu'il donne. Tu as le chargeur. Non. Le boîtier. Non, ça, la corde. Moi, je n'ai pas votre fantôme. Qu'est-ce que la prise de sécurité? Ça a pris. Ça prend comme ça. Ça prend avant la table. Ne bouge plus. On a plus à gagner en faisant du la force. Aujourd'hui, j'ai rencontré le président et voir Malada. Malade. Ma bouche savait les noms. En Bolo Ima. J'ai rencontré plein de gens que quand on va sur Facebook, c'est pour ça que mes sœurs, le fait de critiquer quelqu'un sur les réseaux, surtout sans le connaître, c'est souvent bizarre. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas insulter quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'ai passé une très bonne journée avec une Valoise. Si je n'avais pas des choses à faire, je partais avec elle au nord. Mais j'ai beaucoup de choses à faire. Comme vous savez, j'ai aussi le chantier à suivre. Ça va se passer. Une galoise m'a bien accueilli. J'étais bien accueilli. J'ai vu le bon monde. Marraine Chou est connectée. Marraine Chou, merci. Merci, ma chérie. Merci. 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 Il faut que des gens. Il faut que quelqu'un t'aime pour te donner ça. Une galoise m'a vraiment dit comment je ne peux jamais oublier. Jamais oublier. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Je vais jamais oublier. Jamais oublier aujourd'hui. Je vous dis, mes soeurs, les honneurs, là, quand on te les donne, c'est vraiment du plaisir. Je ne vais jamais oublier. Et je vous dis, mes soeurs, l'union fait la force. Unissons-nous, lançons-nous. Moi, ce qui me fait avoir peur d'aider une soeur, parce qu'on vous prenait ça, quand on aide quelqu'un, vous voyez comme ça. Peut-être que c'était pour acheter quelque chose. Moi, je n'ai plus besoin d'acheter les honneurs chez quelqu'un. Dieu m'a déjà donné les honneurs, mes frères. Dieu m'a déjà donné les honneurs. Je n'ai plus besoin. Mais quand on est ensemble, apprenons à nous respecter. Apprenons à chaque personne sa place. Vous comprenez? Quand chaque personne connaît sa place, il est bien. Je suis arrivée, ma petite soeur, je vous dis, l'accueil était de taille. Vraiment, merci. Merci. Ça prouve qu'il y a encore des gens reconnaissants sur cette terre. Vous savez, ce n'est pas seulement quelqu'un des millions qu'on va dire que tu as beaucoup donné. Mais il y a des gestes qui sont inoubliables. L'argent donne les honneurs, mais ça ne donne pas les honneurs humains. C'est inoubliable. Il fallait vivre. Parce que ça, vraiment, la télé, c'est autre chose. Mais il fallait être la pouvoir. C'était tellement beau. Les gens coulaient les larmes. Que voilà, une petite soeur, une grande soeur de Facebook à la réalité. Vraiment, je te remercie beaucoup, Reine Galloise. Si nous tous, on peut rester comme ça. Quand tu vas aller donner à quelqu'un, voilà, j'ai rencontré, elle est là, la lionne officielle. Une petite fille si douce. Je lui ai posé la question, que qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous marquez? Une petite tellement douce. Prête à l'écoute. Facebook change les gens. Facebook, quand il Facebook transforme les gens. Je vous jure, mes soeurs, je suis une maman. J'ai même eu à parler avec la lionne. Vous savez, mes soeurs, ensemble, on parle loin. Ensemble, on parle loin. Si nous nous entendons, quelqu'un a le commerce, laissons la jalousie. J'ai dit, on a signalé le live de Reine Galloise.
pourquoi signaler un live alors qu'elle est en train de fêter l'anniversaire? La lionne est venue charger. La lionne est... Regardez au niveau du Cameroun. Oh non. Oh non, non, non. Non, j'ai vécu une journée inoubliable dans ma vie. La petite qu'on appelle la lionne est venue charger, charger. Alors qu'elle n'a pas les millions que je vous ai dit que mes frères et sœurs, qu'appelez-vous milliardaire. Voilà le milliardaire. Ce n'est pas quand tu m'attends à vous. Je vous dis d'abord que les milliardaires sont radins. Tous ceux qui sont riches là sont radins. Ils ne savent pas donner. Quand la petite l'a créé, dit que hé. Hey. Donc quand vous voyez même les gens amener les trucs, quand vous voyez les gens amener, quelqu'un vient de l'Europe, après vous dites, non. Même ici au Cameroun, mes sœurs, j'ai vu. Il fallait vivre cette soirée aujourd'hui avec la lionne. Avec, on appelle qui? Oh, comment son nom m'échappe? Madon, le nom de Madon le produit à Reine Galloise, c'était encore qui là? Elle a amené on appelle ça comment? Le couscous. Oh, on appelle qui? Oh, donnez-moi son nom là. Elle a amené le couscous. La petite la lionne a amené. Ce n'est pas qu'elle n'a pas beaucoup, mais elle a mis du cœur à venir voir Reine Galloise. La petite la lionne. Si nous toutes, mes frères et sœurs, on était comme ça, quand quelqu'un a sa chose, au lieu d'aller gâter, au lieu d'aller faire la sorcellerie, dénigrer, on part aussi mettre la main. L'Afrique ira loin. Le Cameroun va crever sur les réseaux sociaux. On était numéro un sur les réseaux sociaux. On est venu numéro un de la bêtise. Je n'ai pas félicité la petite, mais je disais que je vais faire mon direct pour dire vraiment, mes frères et sœurs, vivez la réalité. Il fallait être là. Ce n'est pas personne pour regarder le côté du pied. Le président est Bouabala. Humble, 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 mes sœurs. Il n'y a pas de que. Vous voyez un peu les gens qui sont des benglages. Humble, sa femme alors terriblement. J'aime ce genre de personne. Elle est arrivée, on s'est vu, on était là comme si on se connaissait. On était là-bas dedans, il y avait la lionne, elle, son mari, moi. On était comme si on se connaissait depuis. Comme si on se connaissait. C'est ça l'unité des hommes. L'unité, je n'avais jamais vu la lionne, mais je l'ai dit, assieds-toi là, je vais te parler. Je n'avais jamais vu. La lionne, merci aussi. Tu ne me connaissais pas, mais tu as écouté quand même. Va de l'avant. Tu as plein de bonheur, ma petite. Tu as plein de vie. Ma bouche ne me trompait jamais. On est resté, mes soeurs, avec le président et Bouabala. On était bien, je vous jure. Si on pouvait être comme ça, que chaque fois qu'on se rencontre, nous tous là, on reste comme ça, ça serait très bien. Parce que quelqu'un d'autre va te filmer, on va te dire comment tu as ceci. Ce qui vous dérange, c'est que quand vous arrivez là avec les gens, vous voulez toujours montrer que vous êtes supérieur à l'autre. Non, je vous dis qu'on était tous bien. Tout le monde a amené quelque chose. Moi, ce qui m'a touché, c'était la petite lionne. C'était la petite lionne, ce qu'elle a amené. Vous comprenez? Tu n'as pas donné la queue. Parce que les gens ont toujours tendance à croire que ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent qui donnent les dons. Non, non, ce n'est pas les gens qui ont l'argent qui donnent. C'est le cœur. C'est le cœur, c'est la foi. Vous comprenez? C'est le cœur, c'est la foi qui donne. Vous croyez que la petite là n'a pas ses besoins? La petite-là n'a pas besoin d'acheter les Brésiliens, mais elle pense que c'était l'anniversaire de Reine Galloise. Elle était chargée. Pas parce qu'elle a... D'abord, même si vous allez dire qu'elle a, elle a ce que quelqu'un peut avoir au niveau du Cameroun, elle a vraiment... Félicitations, je ne te connais pas, mais je te dis vraiment, félicitations pour le geste que tu as fait pour le croisant de Asta. C'est à féliciter et ne lâche pas. Les dons, quand tu donnes, Dieu te rend. Tu comprends, non, la lionne? Quand tu donnes et tu écoutes, le Seigneur te rend. Il faut savoir que les réseaux sociaux que tu vois là, aujourd'hui on te dit oui, demain on te dit non, mais ce sont tes œuvres qui vont t'ouvrir les portes. Merci à Reine Galloise. Si c'est la nourriture, il y avait la nourriture à gogo. Reine Galloise a tapé. J'aime manger, vous ne voyez pas qu'elle vient manger encore le sandwich.
Et demain, j'attends encore le quoi, coco. Bon, mais c'est, excusez-moi, comment est-ce que j'ai une demain? Après demain. Parce qu'il y a trop de quoi, coco. J'ai gardé chez la reine galloise. Il y a le reste là-bas qui veut manger demain. Mais après, soyez-en si je commence le régime. Parce que le 2, je dois avoir un ventre plat. Le 2 novembre, je dois être prêt pour la soirée. Je nomme une soeur. Arrêtons. Si ta soeur va avec, elle n'enregistre pas pour dire de moi après demain que on était en train de rire là-bas, même quand on dansait la petite l'avion, elle était en train de filmer. On a passé un moment de fourrie, de rire. Ah, de... Je voulais la féliciter. Comme il est arrivé, une autre personne serait venue kounia avec les mains. Même petite qui pense que je pars chez quelqu'un, je pars chez Reine Galloise, je me charge. Ça veut dire que c'est après. Demain, c'est mercredi, comment le régime? On a marre de toi. Donc, tu l'as pour ma quoi, coco? Non, je commence après demain. Vous savez, c'est un cachet. Avec toi. Attendez. Alors, on commence. Tu l'as dit pour commencer. Non, mes soeurs, le 2 novembre, je vais m'habiller en direct. Le 2 novembre, je serai là comme ça. Parce qu'il faut que quand il va arriver, bon, j'aime le Shabbat. J'ai pris le tableau du Shabbat, c'est pour ça. J'ai pas pris la chaise, donc excusez-moi. Le 2 novembre à Paris, ça va chauffer. Oui, j'ai déjà ma table, j'ai pris ma table. Donc, ça va chauffer. Bisous à toi, la lionne. Ne laisse pas. Continue tel que tu es. La main qui donne reçoit. Tu comprends? Je ne veux pas trop en dire, mais tu connais. Je t'ai parlé. C'est à toi de prendre ce qui est mauvais. Tu jettes. Ce qui est bon, tu prends. Mais je te dis, si je suis la femme que je suis là, parce que j'ai coupé certaines choses dans ma bouche, je suis devenue ce que je suis. Parce que j'ai pris mes bénédictions en main. J'ai dit, je ne les partage plus. Je ne partage plus mes bénédictions. Vous comprenez? J'ai fait. Comment vas-tu, ma chérie? Donc, Reine Galloise, merci pour ce que tu as fait. Président et bois, voilà. Avec ta femme, vraiment. Le régime, on attend demain. Non, pas demain parce que j'ai le quoi, coco. Le matin. Non, jeudi, je vous promets. À partir de jeudi, je m'assis là. Parce que demain, c'est à demain. Non. Mm-hmm. Je commence après demain. Le quoi coco m'attend demain matin. Je voulais commencer vraiment, mais le quoi coco est déjà là. Donc, j'attends manger le quoi coco. Donc, mais c'est vraiment, j'ai passé une très bonne journée. Pas de colère, la joie, les fous rires avec un grand monsieur, notre président. Merci, bonjour. Le président est voilà. On avait sa femme, ses enfants, on a passé à Reine Galloise et ses enfants, c'était génial. Si tu peux se retrouver comme ça, quand on rentre de l'Europe, on passe chez l'autre, c'est vraiment du top. Et apprenons à charger nos mains quand on passe chez quelqu'un. Arrêtez de partir, brabalan. Même ici au Cameroun, tous les quand ils voient une petite fille, ça veut dire que même le Cameroun, ils savent qu'ils partent voir les gens de diaspora. Donc, je vous dis vraiment merci à vous tous. À la petite la lionne, à la main Boabala et sa femme. C'est ma langue. J'ai pas prononcé le nom. Donc, merci à vous tous parce que vous m'avez accueilli. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais très réservé. Mais vous m'avez beaucoup accueilli. On a beaucoup causé. Donc, merci à vous. Ma fauchoube. Bonsoir, donc merci à vous. On a passé merveilleux. Je crois qu'on a tué passer les... Nicole, la petite, la lionne m'a beaucoup touché. Nicole, c'est ma soeur, non? La petite, la lionne m'a beaucoup touché. On appelle qui? L'équipe de Asta. Ah! Chante. Motomo. Motomo. On chante pour l'équipe de Asta. Motomo. 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 Reine Galloise est où? Chante. Motomo. À toute l'équipe de Asda. À toute l'équipe de Asda. Merci, merci. Moi, je suis très, très content d'avoir rencontré une petite fille ambitieuse, la Lyon.
continue, garde ça. C'est ça qui pousse. Tu es très belle, ma chérie. Tu es très belle. Tu es très belle. Les insultes ne te conviennent pas. Tu es très belle. Tu as compris? On appelle celle qui a mis le couscous comment? Madon. Manon Japap. Merci à toi. J'ai même commandé. C'est Dorcas. Très belle. Il y a des gens qui n'ont pas photo. Voilà, Dorcas. Voilà, j'ai aussi rencontré Dorcas. Merci. J'ai même commandé aussi là-bas. Merci aussi. Vraiment, je l'ai trouvé là-bas. Bon accueil. Merci, merci à vous tous. Merci, comme je vous dis. Et que le Seigneur donne la force de toujours nous rencontrer dans les pareilles occasions. Pour que moi, je ne vais jamais clasher quelqu'un. Vous le savez bien. Moi-même, si quelqu'un décide de m'insulter, moi, je ne réponds pas. Il faut avoir le camping-car pour que je te réponde. Il faut construire au Cameroun pour que je te réponde. Il faut être une femme d'affaires pour que je te réponde. Si tu n'as pas, fais-toi plaisir. Moi, je ne suis pas dans les clashs, comme vous le savez. Je vous dis toujours que j'ai trop souffert, mes soeurs. J'en ai tellement souffert que j'ai bagarré avec la vie pour arriver là. Pour que je prenne ça, je donne à quelqu'un, donc je ne le ferai pas. Moi, ce que je veux, c'est que qu'on se retrouve là. Vous pouvez demander, vous qui êtes les amis de la Lyon, comment on a passé une soirée, on ne voulait même pas se séparer. On a passé une soirée crème géniale. Le rire. On ne parlait même pas des affaires de Facebook. On parlait que les affaires de Asta, on construit aussi la reine galloise. On a passé de très bons moments. Si on peut vraiment faire ça, moi-même, je viendrai souvent même faire mes 2 heures et puis on part. L'union fait la force. Il faut qu'on change le concept. Le concept des classes et la malédiction. Tu stands devant. Tout ce que tu veux faire, ça ne progresse pas. On connaît la vie de tout le monde. Vous comprenez? On connaît la vie de tout le monde. On sait à que celui-ci, on est tous des prostituées, on a tous fait les camions. On est tous, on connaît, il n'y a rien de nouveau dedans. Donc, mes soeurs, moi, j'ai envie que si quelqu'un va, nous tous, on achète. Est-ce que vous savez que si nous sommes 5 000, que quelqu'un vend comme Dorcas vend les sacs là, tout le monde achète un sac, elle est lancée, après se débrouille. On voit peut-être que comme la petite la lionne la vend, si elle vend les gammes de lait, tout ça achète même pour ta mère, non? Achète même pour les lait, parce qu'elle a une très bonne gamme de lait de cheveux naturel. Achète la gamme, tu donnes à ta mère. Si nous sommes 50, si nous sommes 1 000, on achète. C'est Dieu qui a lancé notre petite soeur et notre fille, qui peut déjà elle-même se lancer elle-même. Mais tellement vous êtes jaloux que quand on va dire que voilà ce qu'elle va nous faire, moi-même je vais la faire la recette. Donc la lune va me donner 2 gammes de produits pour mes petits-enfants et ma fille, parce que ma fille aussi est encore naturelle. Moi-même je vais prendre. Donc demain, si tu ouvres la boutique, envoie-moi le mot là, je vais te prendre 2 grammes. Je vais te prendre 2 grammes. Je vais partir avec pour te féliciter. Après, non, si quelqu'un a quelque chose, si nous tous, on part, si quelqu'un crée une soirée, on dit que bon, nous tous, on doit aller, même si ce n'est que 1 000 personnes, le Cameroun va avancer. Pourquoi, la Côte d'Ivoire avance? Pourquoi ils partent à la présidence, la première dame les reçoit? Parce qu'ils ont compris que c'est la façon de parler, c'est la façon d'évoluer qui fait que tu gagnes les publicités, tu gagnes les trucs. Nous, on ne gagne pas les grandes publicités. On gagne que les trucs basiques. Non, lançons-nous, mes soeurs. Lançons-nous. Vous comprenez? Non. Rien ne sert. Ça ne sert à rien de faire la guerre, de critiquer les Français des gens, de critiquer la vie des gens. On a tous des démons dans les placards. On a tous du sale. On a tous fait les choses qui ne sont pas bien. Mais si l'Afrique veut évoluer, on doit laisser le satanisme, on doit laisser la méchanceté, on s'unit. On peut se décider comme les musulmans. Vous savez que les Sénégalais, quand quelqu'un a fait quelque chose, même si tu ne parles pas, tu donnes 20 euros. On voulait organiser quelque chose des Camerounais là-bas. Le désordre a commencé de tout le monde qui veut être président. On n'a pas le culot de dire que voilà quelqu'un qu'on place. Quand les Camerounais font quelque chose, nous ne sommes pas là-bas. Mais non, on va lancer qui? Est-ce que vous savez que même la petite que j'ai rencontrée là, à Lyon, en achetant ses produits, sa petite fait qu'aussi, elle s'est agrandie ici, mais la jalousie, l'aigreur, la jalousie. Dès qu'on va voir que
tu vas venir au Saint-Si, cherche quoi? Elle te dira ta manière. Elle te dira l'argent de qui? C'est pour ça qu'elle vous dit que arrêtons de demander. Ouvrons des commerces. Si toi, tu vois la situation, on va toujours les chapeaux. Tout le monde, c'est papy. On partage. La Samania ne sert à rien, mes soeurs. La Samania ne sert à rien si tu ne peux pas avoir 10 000 euros. La Samania ne sert à rien si on va te bloquer. La Samania, c'est quand on se lance, quand on se fait des trucs. C'est-à-dire, moi, je soutiens les gens parce que moi, je sais que mon commerce, c'est beaucoup européen. Le camp Picasso, les Européens qui louent. Les mobiliums sont les Européens. C'est maintenant même que je dis à mes frères camerounais que venez louer, je vous fais le prix. Mais sinon, c'est les Européens qui louent. Actuellement, les qui ont loué. Mon mobilium a été loué, il y a peut-être qu'une seule ou deux personnes. Mais le reste, ce sont les Européens. Là, maintenant, c'est ouvert maintenant. Les mobiliums sont ouverts maintenant. La saison de 2025, c'est les Européens. Le camping-car et en location sont les Européens. Donc moi, je fais un commerce qui sait que les Européens sont beaucoup dedans. Pour qu'on ne me noque pas. Tu vas me noquer en faisant quoi? Donc mes soeurs, vraiment, j'ai vécu une soirée géniale avec des gens que j'ai vus pour la première fois et qui m'ont étonné. Même à nos clodos, quand j'ai demandé comment... elle a l'eau belle. Elle a l'eau belle. Blague à part. Il y a des gens qui sont pas photogénique. Une femme d'affaires, elle doit nous montrer comment elle fait le manioc. Elle doit nous montrer ça. Ça, c'est des trucs qu'on veut apprendre. Moi-même, je vais acheter un état. Moi-même, je tombe sur le manioc macabre. Moi-même, parce que je l'ai rencontré. Elle m'a dit, elle m'a montré comment ça paye. Elle m'a dit combien elle a par mois. Yeah. J'ai fait quoi au Cameroun avec ça? J'ai fait quoi en Bénin avec ça? Rien. Que par semaine, elle a l'argent que quelqu'un gagne en Bénin. Vous comprenez? Nathalie, comment? Elle l'a. Et moi aussi, c'est une école qu'on doit aussi aller apprendre. Le genre d'état qu'elle a, elle a encore envié quoi de quelqu'un qui est en Europe. Donc vraiment, mes frères, si on peut faire comme ça, tant mieux, si vous voulez continuer dans vos classes, où on veut évoluer, et vous allez venir chanter Vanité, et nous applaudir que Vanité, Vanité. Même le jour que je vais d'ailleurs, tu vas venir seulement applaudir mon père. Parce que tu dois applaudir. Parce que tu n'es rien sur la terre. Vous savez, mes soeurs, on est tous de passage. La terre ne nous appartient pas. Tu peux partir à tout moment. Tu partiras avec le nom des gens dans ta bouche. Si la mort te prend la nuit alors que tu disais que je vais noir tellement demain matin, tu vas errer comme un démon. Même ta tombe va faire peur aux gens parce que tu es mort avec les idées noires dans le cœur. Il faut vivre, soyez heureux. Vous comprenez? Une femme heureuse, c'est celle qui ne pense pas aux affaires comme ça. Soyez heureuse. Bon, je vous laisse. Je vais ça. Je commence le jour, je me demande, je dois d'abord manger. Quand je vais manger, là, vous allez dire que je vais faire le téléphone avant de manger parce que je dois me comporter. Aussi, ils ont dosé le chômage dedans. Mais bon, les enfants, je vous laisse. Parce que, comment c'est que fait le régime? Ils vont pas trop me voir manger à quoi ça? Ils vont se fâcher. Bon, à vous. Ma soeur, comment vas-tu? Vous venez quand je parle déjà. Matin, comment vas-tu? Tu as fait un petit déjeuner. Elle va dormir. Le c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que je dois manger. Parce que ma devant vous m'a dit que c'est ça qui est cru. Je dois me comporter. Donc, je vous laisse. Oui, merci. Non, Nathalie, j'ai dit que commence mercredi, non. Mais j'ai laissé le macabre râper. Randara dit qu'il amène ceci demain. Donc, je ne peux pas commencer demain. Je commence après demain. Sur les certaines caca. Dès que je dis matin, on commence 4h30. Tu es tout quoi? Tout régime. Je dis matin, régime. Je vous dis que quand je vais partir,
Je vais poster mon banque. C'est la tâche. Attendez me voir. Péris, comment vas-tu? Bonsoir. Attendez me voir le 2 novembre. J'ai donné le projet. Les jours ont commencé à partir. Même Blanche, j'ai atterri. Même Blanche, j'ai atterri. Même Blanche, j'ai atterri. Non. Quand Thomas n'est pas là, c'est juste. Le coquille, non, le coquille, c'est fini. Je dis que le coquille du le coquille du rire. Mais ça, je vous promets, le poids n'est pas bien. Est-ce que vous portez des chaussures aussi là? Je ne pense pas. Le poids n'est pas bien. Il faut que je maigrisse. Que quoi coûte que coûte. Dieu vous dit la terre. C'est bon fait que vous manquez. Le poids n'est pas bien. Le poids, c'est moche. Mais c'est là où là, je ronfle. Quand je tous les gens qui sont gros ronflent. Je dis, bonsoir. Mais là, laisse-moi. Quand tu es gros, tu vas ronfler. Je ronfle, je n'ai jamais ronflé. Alors que Sacha est là-bas. Elle veut seulement venir dire, je comme si tu es en direct. On dit que tu paniques sur le lit. Non, attendez, je vais commencer. On va commencer ensemble, non. Je vais commencer le régime jeudi. Je demande d'avoir le quoi coco demain avec la sauce blanche. Et quand elle veut manger comme ça, je bois l'eau après jusqu'à jeudi. Plus de beignets haricots, plus de coquilles, plus de malaxés, plus de héros, plus de ngom. Fini. Le 2 novembre, je dois être belle. Mais, ayez un peu, tolérez-moi un peu. Péris, bonjour, bonsoir. Vous savez, je peux aussi commencer le jeûne quand elle veut rentrer. Parce qu'au Cameroun, il y a tout la nourriture. Je ronfle. Ma femme, ma soeur. Je n'ai jamais ronflé. Mais avec le poids que j'ai là, je ronfle. Non, je veux. Dès que je rentre là, peut-être même. Vous savez, parfois, il me donne un goût. Écrit sur la porte qui est interdite d'entrer avec la nourriture ici. Je vous laisse. Vous me dérangez, je vous laisse. Avant de manger comme ça, tu manges peu. Ah, ça te va, c'est voilà ma fille. La bordel. Elle a atterri, tu te sors d'où? Voilà ma fille. Ma fille. Qui se balade comme un démon. Bonne nuit à vous toutes. Merci. On vous dit que si vous me suivez, monsieur, pardon, j'attends. Merci, Thérèse. Mich, est-ce que je peux encore fermer les chaussures? Je mange pour savoir si tu prends le poids. Quand je mets un stimulateur de poids, je mange la nourriture sucrée comme le sucre dans ma bouche. Est-ce que je peux encore fermer? Je pense que quelque part on me dit félicitations. Je mange ma chose quelque part, on dit félicitations. Est-ce que je peux encore porter un t-shirt là? Non. J'ai dit que l'autre jour, on me demandait que c'est combien de mois. Est-ce que c'est bon? On me demande que c'est combien de mois? C'est la grossesse. Bonne nuit. Vous savez que nous, on est H. Et là, elle est H, là, c'est le ventre et les fesses. Donc, je suis obligée. Je ne peux plus porter une habit là. Le ventre là-bas, les fesses sont là-bas. Non, c'est dur. Je vous laisse. Parce... Je vous dis que j'ai fait le régime. L'autre jour, j'avais faim la nuit. J'ai eu faim. Ça veut dire que j'ai commencé à avoir mal ici. J'avais faim. Je vous jure. C'est dur. Hein? J'avais faim. Je me suis levée. J'ai commencé à fouiller la nuit. Je n'ai pas vu. J'ai trouvé le ketchup avec la mayonnaise. J'ai mélangé.
Ouais, Seigneur. Non. Le point n'est pas bien, mes enfants. Ne commencez pas, vous, sur ma gauche. Ne commencez pas. Je remets cette efficace. J'ai pris deux sur ma gauche et revenu. Ne commencez pas, je vous jure. J'ai mangé le ketchup avec la mayonnaise. Mais blanc, quand je rentre chez moi, je cours. Quand je rentre chez moi, je cours. Vous avez commencé. Je dois faire fort. Rien que pour vous, je dois faire le régime fort. Et puis vous allez m'apprécier. Non, je vais commencer. Quand tu as pris le poids, ce n'est plus facile. Hein? La nourriture, c'est ça. La nourriture est bon. Regardez, je suis arrivée là. Maintenant, là, après, je suis arrivée. On m'appelle qu'on m'a amené une mamie comme ça, Dongom, qui m'attend à la maison. Est-ce que demain, quand je vais arriver, quand je ne mange pas, la personne qui papa va dire que je n'ai pas mangé. Non, comment je vais commencer le régime? Pour avoir demain, je peux commencer comme je ne pourrais pas commencer. J'ai vraiment la volonté. Comment tu peux dire comme ça? Tu as vu mon ventre là? Tous les jours, on me souhaite félicitations. Félicitations de quoi? On dit que c'est combien de mois? Toi, tu peux vivre contre cette félicitation tout le temps. Dernièrement, Carrefour, une femme a dit que madame, vous venez d'accoucher, vous êtes déjà enceinte. Le regard, vous regardez la femme là. J'ai dit que tu as vu mon visage comme une femme enceinte. Je n'ai pas repoussé. Voilà. Voilà ma soeur. Sa fille, je mange, je vais aller faire la piscine parce que vous manquez. Hey, la nourriture est bonne au Cameroun. La nourriture est bonne au Cameroun, oh, maman. Elle n'a jamais envie de manger le pain avec le macabre. On les appelle les pousseurs de ventre. Les stimulateurs de gros ventre. Et quand tu costaud, je vous dis, mes soeurs, tes envies, ce n'est que les envies bizarres. Aïcha, tu atterris là. Aïcha, tu atterris. Aïcha, tu atterris. Tu es là. Je t'ai dit qu'on te bloque. Mes soeurs, quand tu es costaud, vous savez, je vous dis, plus tu es costaud, plus tu pètes. Et c'est une honte. Une femme doit être celle que même si tu vas dégager les gaz, ça doit se finir avec élégance. Mais plus tu grossis, plus c'est violent. C'est pas bon, mais ça, c'est pas bon. Le poids n'est pas bien. Si on vous dit que c'est moche, mais blanche, laisse-moi tranquille. Quand tu es déjà costaud, voilà tes nourritures, hamburger, McDo, poisson, fruits, coquilles, couscous avec. Tu n'as que les habits de coucou banque. C'est pas bon. Vous avez vu quand quelqu'un qui veut dégager le gaz là, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Hein? Je peux pas arriver à ce niveau. Je suis à 110 kilos. J'arrête. Si vous me voyez encore manger en direct, envoyez les têtes de moi. Non, si vous me voyez encore manger en direct, écrivez-moi. Stop, 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 stop. Je ne mange plus. Je me concentre. Bonne nuit. Hein? D'accord, merci, Félicie, merci. Aïcha, Aïcha aime le descendre. Est-ce que je suis encore en croisière là? Je voulais manger ça, je n'ai plus mangé.
après 18h. Donc, en tout moment, tu as déjà fait qu'on prépare le cookie qui a brûlé un peu là. Ou bien le pilet avec l'huile, le pilet avec le plantain qui est un peu mûr là. Et puis, on a bien refait avec l'oignon. Et puis, tu manges ça à 17h. On te dit d'attendre jusqu'au matin. Tu vas voler. Oui, oui. Tu vas voler à ma médecine. Tout ton esprit serait dans le pilet là. C'est pour ça que j'ai mangé le ketchup avec la mayonnaise avec la famine. Bon, comme à partir de jeudi, je vais arrêter. Je vais faire le test avec vous jeudi. Je serai assis comme ça. Jeudi matin, jeudi midi, je reste comme ça. Et puis 18h. Le premier qu'il faut que j'arrête. Tu vas voler. Est-ce que c'est moi qui fais? C'est les grecs. Les grecs qui t'ont regardé, c'est les grecs, c'est les grecs. Les grecs, ça. C'est les grecs qui demandent à manger. Il faut nourrir les grecs. Fille, tu es amie avec moi, tu es déjà devenue comme Aïcha, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer. Je vous ai dit jeudi, je commence jeudi. Je commence jeudi. Attendez jeudi, vous me dites que Ramé Golocha a commencé comment? Si vendredi, je n'ai pas perdu les kilos là, vous m'enlevez le nom. Vendredi d'abord, c'est les jours qui vont disparaître. Alors, Flo, Flo, bye, Flo, ma chérie. Bye, 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 bye. Je commence jeudi. Bonne nuit à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. Pensez à prier. Si tu ne pries pas, si tu as la flemme. Les gens sont vus quoi avec moi? C'est moi qui décide de faire le régime. Rien n'a dit que demain j'ai le quoi coucou. Je dois repousser. Tu peux avoir le quoi coucou avec les obstacles, tu ne manges pas. Fantôme est arrivé, je fuis. Avec le vache, cette fois-ci, s'il te plaît, comme cette fois-ci. Je commande. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous envoie son esprit, vous protéger durant toute cette nuit. Que le Seigneur vous ouvre toutes les portes qui peuvent vous amener bonheur, joie et amour et qui vous fortifie. Et que le Seigneur regarde votre parcours, votre travail. Il donne le mariage à ceux qui ont besoin de mariage, les chaos à ceux qui ont besoin de mariage, le travail à ceux qui ont besoin de chaos. Au nom de Jésus, il nous donne vraiment, vraiment le sens de discernement, d'amour, de paix et de joie. Il nous couvre de sagesse afin que nous puissions savoir le bon et le mauvais. Il nous met devant nous des gens qui peuvent nous aider à progresser. Que le Seigneur soit notre devant, notre dernier, notre bouclier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fantôme, je fuis, Fantôme.